Kate Walker! Kate Walker! Que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi le train s'arrête-t-il encore? Où sommes-nous? Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus, Kate Walker. Quant à savoir où nous sommes, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, nous devons donc partir à la recherche d'un remonte-train, mon cher Oscar, en espérant que cet endroit en possède un. L'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive de crainte de corroder définitivement mes articulations. C'est vraiment lugubre ici. Je me demande où je vais trouver un remonte-train. Je vous fais entièrement confiance, Kate Walker. Vous êtes une femme audacieuse et débrouillarde. Hypocrite. À tout de suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici, Kate Walker. Je vais devoir trouver un autre chemin. Mon Dieu, Oscar. Oscar, répondez-moi. Vous allez bien? C'est absolument inadmissible, intolérable, inqualifiable. J'ai été attaqué, moi! Comment ça, vous avez été attaqué? Mes mains, je n'en ai plus! On me les a prises! Oh, mon Dieu, vous n'avez plus de mains! Mais qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est sûr, Kate Walker, c'est que cet odieux vol n'a pu être commis que par un barbare, un individu dont le comportement manque totalement aux règles du savoir-vivre. Vous avez vu votre agresseur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'étais ici, voyez-vous, en train de passer un coup de chiffon, avec toute cette poussière ambiante, je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de... Oscar! Oui. Donc, j'étais très occupé quand j'ai senti soudainement deux bras puissants m'attraper par derrière et me ligoter avant que je n'aie eu le temps de me défendre. J'ai voulu vous appeler, mais mon agresseur m'a bâillonné avant que je ne puisse émettre le moindre son. Puis, il a démonté mes mains avec des pinces effrayantes. Ce fut atroce! Je veux bien vous croire, mon pauvre Oscar. Vous l'avez vu? Un véritable barbare, je vous dis. Les yeux injectés de sang, des dents d'acier, une peau en écailles marron, dégageant une odeur pestilentielle. Un monstre, Kate Walker. Un monstre armé. Calmez-vous, Oscar, calmez-vous. Tout va s'arranger. Je me demande bien qui peut s'intéresser à des mains d'automate. Je dois en convenir, mes mains sont deux petits chefs-d'œuvre technologiques. J'y suis très attaché, Kate Walker. Je vous en conjure, promettez-moi de me les rapporter intactes et le plus rapidement possible. Je vais faire mon maximum, Oscar. Comme vous dites, je suis audacieuse et débrouillarde. Merci beaucoup, Kate Walker. Mais soyez prudente, surtout. Ne vous en faites pas, Oscar.
Bon, j'y vais. Faites attention à vous, Oscar. Bonne chance, Kate Walker. Et ne m'oubliez pas. Allô? Allô? Kate? C'est Dan. Tu m'entends? Dan? Dan, c'est toi? Oh, je te reçois très mal. Dan? On a besoin de discuter. Il faut qu'on reparle de notre situation. Vraiment, c'est une question, Kate. Ça grésille beaucoup. J'essaie de te rappeler dès que je sors de cette mine. Comment? Mine? Enfin, où es-tu? Kate, on se parle. La communication est de pire en pire. Je raccroche. Bien ce que je pensais. Et vous, qui êtes-vous? Attention, je vous préviens, vous ne me faites pas peur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi avez-vous fait ça? Il doit y avoir un malentendu. Parce que pour vous, un vol est un simple malentendu? Rendez-moi mes mains, monsieur. Vos mains? Comme vous y allez, je ne suis pas un voleur. Et puis, je peux vous donner des explications. Vous pénétrez par effraction dans mon train. Vous agressez mon automate. Vous le mutilez en lui dérobant ses mains, mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle, mais d'un emprunt. Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle.
puis-je savoir pourquoi vous avez volé les mains d'Oscar, mon automate pilote ? Elles sont extraordinaires, de véritables merveilles mécaniques. Jamais je n'aurais été capable d'en concevoir de pareilles. Jamais. Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. Diabolique. Et donc simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler ? Juste un emprunt, mademoiselle. Un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus l'usage. Vous... Pardon ? Vous comprenez, ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. La finalisation de l'automate pianiste. Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir. Tout est prêt. Les cheminées, les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leur fonction première et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. Je n'attends plus qu'elle. Qui êtes-vous ? Sergueï Borodin, le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Enfin, ce qu'il en reste. Mais vous, qui êtes-vous et pourquoi vous arrêtez dans ma gare sans autorisation ? Je n'ai pas choisi de m'arrêter dans votre usine. Mais mon train a un ennui mécanique. Je m'appelle Kate Walker. Je suis américaine. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloquée ici. J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez ? Pour l'entendre à nouveau chanter ici, dans mon usine. Qui ça, elle ? De qui parlez-vous ? Elena Romanski. Une voix si pure, si cristalline. Un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolsgrad, vous savez. Du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle, peut-être, qui m'a sauvé la vie. En lui donnant un sens. Quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné, j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps ? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Elena Romanski ici. Dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord ? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là, où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. Et puis, j'ai dû concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivé. Quelle chance, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Bien. Quand cette Madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains ? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas ? Plus vite vous la ramènerez ici... Plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. Bon, et où dois-je aller chercher cette dame ? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliquée. Elena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Cette histoire est totalement absurde.
Allô, maman ? Kate ! Enfin, tu as vu l'heure. Qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit ? Oh, je suis désolée, maman. J'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille ? Mais bien sûr que tu me réveilles. Et dans mon premier sommeil, en plus. Tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, si cela peut vraiment pas attendre demain matin... Alors, de quoi s'agit-il ? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. Non, Malkovitch, ma chérie Franck, Malkovitch. Oui, enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas ? Mais parfaitement. On prétend qu'il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. Génial. Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romansky. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... Ben écoute, ne bouge pas, ma chérie, je vais le réveiller et il va te répondre directement. Ah, parce que... il est... Chérie, réveille-toi, ma fille, au téléphone. Viens, mon amour. Kate, tu es toujours là ? Franck me dit qu'il a très bien connu cette Romansky. Grande, mais grande soprano. Super. Il sait ce qu'elle est devenue ? Elle chante encore ? Elle vit où ? Minute, ma fille. Est-ce que tu sais ce que c'est devenu cette charmante chanteuse ? Non ? Oui ? Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. T'es sûr de ça ? Ah bon ? Non. Se reposer dans une station thermale, il croit se rappeler Haralbad, même s'il n'est pas sûr. Ça remonte à plus de 15 ans. Et puis au réveil, il n'est jamais très en forme. Oh, merci, maman. Mille fois merci à Franck. Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Encore merci. À plus. Allô ? Je te réveille ? Non. Tu sais, j'arrive pas à dormir. Toute cette histoire ne cesse de tourner dans ma tête. Quelle histoire, Dan ? Enfin, Kate, tu as donc oublié notre première dispute ? J'ai besoin qu'on en reparle, moi. Oh, disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs, mais c'est du passé. Bon. S'emporter ne règle jamais rien. Je crois bien que j'ai été très mal à l'aise en raccrochant. Vraiment ? Et oui, j'avais laissé la porte de mon bureau ouverte et je suis persuadée que tout le monde m'a entendu. Ah. Oh, je suis confuse, Dan. Tu m'excuseras auprès de tes collègues ? Oh, ce n'est rien, ma chérie. Promets-moi juste de ne plus te mettre dans cet état. Tu es si charmante d'ordinaire. J'ai l'impression que ce voyage t'éloigne de plus en plus de moi. C'est vrai que je vis tant de choses nouvelles et étonnantes. Je vois. Et toujours pas de Hans Vorarlberg ? Non. Tiens-moi au courant. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, chérie. Reviens vite. Je vais essayer. Je t'embrasse, Dan. Monsieur le directeur. Hein ? Ah ! C'est vous, mademoiselle Walker. Monsieur le directeur, je crois savoir où s'est retirée Elena Romansky. Mon Dieu ! Vous avez retrouvé Elena ? C'est fantastique ! D'après mes recherches, Elena Romansky vit actuellement à Haralbad. Haralbad ? Elena Romansky est donc là-bas ! Vous connaissez cette ville ? Vous savez où elle se trouve ? Bien sûr ! C'était une station thermale très réputée. Au temps de sa splendeur, Haralbad accueillait tous les hauts dignitaires du régime. Obtenir un séjour là-bas était un honneur, mais ça ne l'est plus. Les militaires ont à jamais déserté cet endroit, comme la mer d'ailleurs. Manifestement, il s'agit d'un lieu propice à une longue convalescence. Madame Romansky serait tout aussi bien ici. Je pense qu'elle y apprécierait ce calme, ce silence, cette parfaite sérénité. Comment faire pour me rendre à Haralbad ? Il y a toujours une solution. Ici, je ne possède aucun véhicule digne de ce nom. Mais le vieil ivrogne là-haut doit bien en avoir un. Ah bon, vous n'êtes pas seul ? C'est où là-haut ? Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau ? Elle est, je crois, encore gardée par un stupide et exécrable militaire plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka que les étoiles. Et vous pensez que ce monsieur mettrait à ma disposition un véhicule ? Je n'en ai pas la moindre idée. S'il est dans un bon jour, pourquoi pas ? Mais c'est très rare.
Je vous souhaite bien du courage. Comment se rend-on à cette base spatiale? La liaison avec le cosmodrome est assurée par un monorail. Dès que vous serez dedans, j'activerai le pilotage automatique. Bon, je file. Souhaitez-moi bonne chance. Je compte sur vous, Mademoiselle Walker. Allô? Kate, c'est toi? Comment vas-tu? Tiens, Olivia, tu tombes bien. Connais-tu une certaine Elena Romansky? Non. C'est une styliste en vogue dans cette rue si lointaine? Non, c'est une célèbre cantatrice. Figure-toi que je vais avoir l'occasion de la rencontrer. Il faut juste que je trouve un moyen de me rendre à Harald. T'imagines ma chance? Non, pas vraiment. Quel rapport y a-t-il entre le dossier de la Toys et cette femme? T'es pas en train de faire n'importe quoi. Je trouve que tu changes terriblement, Kate. Pour faire court, la suite de mon voyage est conditionnée par les retrouvailles entre cette chanteuse et le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi dis-tu que j'ai changé? Une impression. Je te sens plus sûre de toi, plus forte, plus volontaire. Et ça pose un problème? Tu vois, immédiatement tu montes sur tes grands chevaux. Je commence à être d'accord avec Dan. C'est de plus en plus difficile de prendre systématiquement ta défense. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai pris un ou deux verres avec Dan. Il a besoin de parler, tu comprends? Il se sent si seul. Qu'est-ce qu'il te raconte? Rien, qu'il a l'impression que tu lui échappes. Il te comprend de moins en moins. Par exemple, la dernière fois, nous sortions du ciné, et il a prétendu que tu aurais adoré ce film, alors que moi, je soutenais tout. Tu es en train de me dire que tu sors avec mon fiancé? Ben nuance, Kate. Je sors pas avec Dan. Je sors Dan. Pour la bonne cause, pendant ton absence. Comme ça, je le surveille pour toi. Tu es trop bonne. Allez, si tu es jalouse, c'est bon signe. Ça prouve que tu tiens à lui. Il va être ravi de le savoir. Vous vous revoyez bientôt? Demain soir, Dan m'a invitée au dîner des Goldberg. T'es pas fâchée, Kate? Non, non. Je dois te laisser maintenant, Olivia. Bise. Monsieur, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ohé, vous m'entendez? Attention, décollage imminent, feu! Oh bon Dieu, il y a comme une demoiselle sur le pas de tir. Tout va bien, monsieur, calmez-vous. Je voudrais juste un renseignement. Je m'appelle Kate Walker, avocate à mer... Bref, je suis un peu perdue et je présume que vous devez bien connaître cet endroit. Boris Tcharov, pour vous servir. Et je vous sers un petit verre, madame. Sans façon. Il y a longtemps que vous vivez là? Vous vivez seul? Oh, ça fait un bon moment déjà que je traîne mon ennui. Mais il y a mes bouteilles, fidèles et serviables. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Et un ancien cosmonaute aussi. Tout ça, c'est du passé. Allez, assez parlé, petite mère. Puis nom de Dieu, trinquons. C'est un ordre. Ça suffit à la fin. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Le corps civil féminin se rebelle? Oh! Trinquons à la prise des pouvoirs des babouchkas du Nouveau Monde. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de... Oh, laissons tomber. Cet homme est trop saoul pour m'être d'une quelconque aide. Je suis pas saoul. Je suis bu. Puis c'est tout. «
bizarre. J'étais sûr d'avoir laissé une ou deux bouteilles ici. Oh, faut que je sorte. Oh, oh, les murs tournent. Je suis pas prêt à décoller, moi. Monsieur, ça va? Vous êtes sûr d'aller bien? Oh, oui, oui. Faites attention, vous risquez de... C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qui se passe? De l'eau? Arrêtez ça tout de suite, vous voulez me noyer! Calmez-vous, tout va bien. C'est juste un réveil un peu difficile. Eh ben, vous avez pris une sacrée cuite. Je m'en doute. C'est pas la première, ni la dernière. Oh, ma pauvre tête. Parlez moins fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vu votre état, je n'ai trouvé que ce moyen pour vous faire retrouver vos esprits. C'est radical, en effet. Vous m'avez l'air d'une personne très... très efficace. Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate, et actuellement, j'ai en charge un dossier un peu spécial. Oh, je vous épargne les détails, mais je me retrouve ici par inadvertance et un peu contre mon gré. Eh bien, je suis tout de même honoré de vous accueillir dans mon domaine. Colonel Boris Tcharov, pilote d'essai de l'armée rouge, au rebut. Et actuellement l'unique responsable du gardiennage du complexe spatial de Komkolskrad. C'est un endroit très étonnant. Dommage qu'il soit à l'abandon. Ah, que voulez-vous? La course à l'espace. Et plus trop à l'ordre du jour pour le moment, c'est comme ça. Ainsi va l'histoire. Je suis à la recherche d'un homme, Hans Vorarlberg. Et je pense qu'il est passé par ici voici une vingtaine d'années. Hans? Vous me demandez si je connais Hans? Mais sachez, madame, que le plus fabuleux des engins volants de ce cosmodrome a été construit par lui. Ha! Sacré Hans! Et même après le tour de cochon qu'il m'a joué, ça me ferait plaisir de le revoir. C'est-à-dire? Que vous a-t-il fait? Ah, Hans et sa fameuse aile volante. Il avait inventé un lanceur à ressort, capable de projeter dans la stratosphère une sorte de curieuse fusée, une aile volante. Un truc révolutionnaire. Je devais en être le pilote d'essai. Mais à quelques jours du lancement, Hans est parti, comme ça, envolé. Le programme d'essai a été annulé. Parti sans explication, sans dire où il allait? Il rêvait d'atteindre les étoiles, pas d'envoyer des bombes. Un jour, Hans a compris à quelle fin allait servir son lanceur. Ici, c'est toujours les généraux qui ont fait la loi, vous savez. Il a été très déçu quand on lui a demandé d'étudier la possibilité de fixer une tête nucléaire sur son aile volante. Alors il est parti, comme ça. Si tout était au point, pourquoi n'avez-vous pas tenté de faire fonctionner cet engin et de vous envoler malgré tout? Ici, personne n'a jamais rien compris aux machines de Hans. Ce sont des utopies. Vous comprenez? Les utopies, ça fonctionne qu'en symbiose avec leur créateur. Sans lui, le voyage dans l'espace est devenu impossible. Alors depuis, je voyage à ma façon. Je commence à maîtriser un peu le fonctionnement des inventions de Hans Vorarlberg. Comment celle-ci se présente-t-elle? Je ne saurais vous dire exactement. Je suis un militaire, madame. Rien qu'un militaire, pas un ingénieur. Je suis venu jusqu'ici en train, mais malheureusement, celui-ci est tombé en panne. Or, il faut absolument que je me rende de toute urgence à Haralbad. On m'a dit que peut-être vous auriez un véhicule à me prêter. On? Qui on? J'espère que vous ne parlez pas de Sergueï Brovski. C'est pourtant lui. Le directeur de la cité industrielle, là, en bas. Méfiez-vous de lui, madame. C'est un homme à l'esprit dérangé. Et ce genre de gars peut devenir très dangereux. C'est quand même lui qui m'a conseillé de venir vous voir. Lui non plus, il ne vous porte pas dans son cœur. Bon, cela m'est égal de savoir ce qu'il pense de moi. Faites attention à lui. C'est mon seul conseil. Est-ce que la ville d'Haralbad vous dit quelque chose? Haralbad. Il y a longtemps que je n'avais entendu ce nom. Pendant des années, cette station thermale a accueilli tout le gratin du régime.
des militaires en convalescence, des politiciens fatigués, et puis les profiteurs de toute espèce. Durant quelques jours, ces gars-là s'offraient du bon temps aux frais de la princesse. Moi, je n'ai jamais eu ce privilège. Pourtant, j'ai été à deux doigts de devenir un héros de la nation. Cet endroit se situe où exactement ? Plus loin, à l'est. Il faut dire que nous n'avions pas besoin de savoir où exactement. Le gros dirigeable était programmé pour y emmener les clients, depuis ici. N'est-il pas curieux de voir autant d'oiseaux sur ce cosmodrome ? Ils sont attirés par toutes les structures métalliques. Et puis maintenant, c'est paisible pour eux. Alors ils sont de plus en plus nombreux. Parfois, je lâche Soyouz. Ça lui rappelle le bon vieux temps. Soyouz ? Le dernier aigle royal en service. C'est l'unique solution pour faire déguerpir ces maudits volatiles avant les décollages. Lâcher les aigles, dans le tas, pour leur faire peur. Vous devriez voir ça. Ce vieux Soyouz provoque encore une sacrée pagaille. C'est magnifique à regarder. Croyez-vous que le dirigeable est toujours en état de marche ? Aucune idée. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas servi. Encore faudrait-il que je sache le faire fonctionner ? Oh, pour ça, aucun souci. Il est équipé d'un pilotage automatique. Allez le visiter si vous voulez. Tenez, voici la clé. Merci. Merci beaucoup pour votre aide. Excusez-moi encore pour le réveil un peu brutal. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je crois que je vais me reposer un peu maintenant. Ça semble pas fonctionner. Vous êtes là. Je vous cherchais. J'ai réussi à enclencher le pilotage automatique, mais le dirigeable refuse toujours de décoller. Savez-vous pourquoi ? Peut-être. J'ai bien ma petite idée. Mais vous m'avez l'air plutôt doué pour la mécanique, non ? Oh, disons que depuis le début de mon voyage, j'ai appris à me débrouiller. Plus spécialement avec les surprenants mécanismes de Hans Vorarlberg. J'ai un marché à vous proposer. Voilà des années que je vis à côté de ce foutu lanceur à ressort et... puis que ça me trotte dans la tête de me payer quand même un vol sur cette fameuse aile volante avant d'être complètement cuit par la vodka. Mais question mode d'emploi, je suis pas bien malin. Vous, par contre, vous m'avez l'air drôlement futé. Vous pourriez me donner un coup de main pour m'envoyer dans les étoiles. Et je vous révélerai le secret du dirigeable. D'accord ? Pourquoi pas ? Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Monsieur Boris, j'aurais besoin de quelques gouttes de votre sang. Pardon ? Pour enclencher le processus de la centrifugeuse, la machine exige l'analyse du sang du pilote. On ne peut pas envoyer un homme en mauvaise santé dans les étoiles, vous comprenez ? Je vais vous faire une petite prise de sang, ce ne sera pas douloureux. J'ai une santé de fer. Mais un soldat n'est jamais avare de son sang. Alors allez-y. Merci, colonel. Pas de quoi. Aïe !
bien ce que je pensais. C'est bon, je crois que j'ai compris comment ça marche. Installez-vous bien, ça va démarrer. Colonel, ça va? Comment vous sentez-vous? Pas parfaitement bien. La tête qui tourne, mais ça me connaît. Je suis un pilote professionnel, moi. Deux sur cinq. Enfin, pas très bien. Parlez fort. Je suis prêt. Appuyez sur la commande de décollage. Procédure de décollage enclenchée. Compte à rebours commencé. Monsieur, vous oubliez le secret du dirigeable. Dites-moi ce que je dois faire. Vite. Dirigeable a besoin de nivelles. L'aigle. Allô? À quoi vous jouez, Kate?
Avez-vous oublié que j'attends avec impatience de vos nouvelles ? Pas du tout, Monsieur Marson. Seulement, je n'avais pas grand-chose de neuf à vous dire. Kate, je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation. Universal Toys n'arrête pas de me relancer. Je ne sais plus comment les faire patienter. Vous mettez tout le cabinet dans l'embarras. Oh, je suis sincèrement désolée. Mais une brusque petite mésaventure m'a obligée à modifier un peu ma mission. Mademoiselle Walker, vous vous égarez dangereusement. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue. J'en ai bien conscience, Monsieur Marson. Et croyez bien que je fais tout mon possible. Mais cette mission n'est vraiment pas simple, ni de tout repos. Vous vous reposerez quand vous serez rentré. À notre prochain coup de fil. Je veux du concret, du tangible. Je veux du résultat. J'espère m'être bien fait comprendre. Oui, Monsieur Marson. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à l'hôtel Kronsky. Je présume que vous n'avez pas réservé. Qu'à cela ne tienne. Il nous reste quelques chambres avec vue sur la mer. Je ne saurais trop vous les conseiller. En fait, je n'ai pas besoin de chambre. Je ne compte pas séjourner à Haralbad. Je ne me suis pas présentée. Kate Walker. Je suis avocate, mandatée par un grand cabinet américain pour régler une affaire de succession délicate. Enchantée, madame Walker. Félix Metana. À votre service. Je suis le réceptionniste de cet établissement. Mais de vous à moi, j'assume aussi à l'occasion le rôle de directeur. Ah, cet endroit n'est plus ce que c'était. Je souhaiterais rencontrer une personne qui réside dans votre hôtel. C'est fâcheux. Aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un. Et à ce sujet, nous avons des consignes, voyez-vous. Je suis désolé, mais par les temps qui courent, l'hôtel n'apprécie guère les visites impromptues. Écoutez, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Si c'était important, madame, il fallait prévenir l'hôtel. On vient dans cet établissement pour se reposer, voyez-vous. Et aussi pour se retirer d'un monde qui, de nos jours, ne tourne plus rond, il faut bien l'avouer. Je ne vous retiens pas, madame. Je vous assure que si j'avais pu prévoir, je vous aurais averti de ma visite. Je vous en prie, soyez compréhensif. Madame, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Bon, je vous remercie quand même. À votre service, madame. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Penalty ! Monsieur ? Encore vous ? Vous commencez vraiment à dépasser les bornes. Je vous préviens que si... Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh là là, il faut toujours que les problèmes me tombent dessus quand je suis très occupé.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes le barman de l'hôtel ? Mon nom est James, mademoiselle. L'automate infirmier James. Je ne suis pas barman. Je m'appelle Kate Walker. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. Vous n'êtes pas ici pour suivre une cure, ça se voit. En effet. Je désire uniquement rencontrer Madame Romanski. Bien. Je serai ravi de vous offrir du thé quand Madame sera rentrée de sa promenade. Je ne voudrais pas m'imposer sans l'accord de votre maîtresse. Madame ne proteste que pour la forme. Croyez-moi, elle adore les visites. Dans ce cas, merci de l'invitation. 15h30, 16h30, Madame Romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée. Le thé est servi ici à 17h précise. C'est possible d'aller la voir ? À votre guise. Mais méfiez-vous du vent de sel. Vous connaissez comme Kolzgrad ? J'y ai laissé mon train avec son pilote. Figurez-vous que c'est un automate comme vous. Je vous trouve même un petit air de famille. 1. Je ne connais pas comme Kolzgrad. 2. Je n'ai jamais pris le train. 3. L'existence d'un autre automate, aussi perfectionné que moi, me paraît hautement improbable. Madame m'a toujours assuré que j'étais en quelque sorte un modèle unique, le cadeau d'un ancien admirateur. Je vous assure pourtant qu'il vous ressemble beaucoup. Il me manque un peu, vous savez. Pourquoi n'est-il pas ici avec votre train ? Moi, jamais je ne laisserai Madame Romanski partir seule. Oh, c'est une longue histoire. Mais j'espère le retrouver très vite. Cet attachement vous honore, mademoiselle. J'y vais, James. À plus tard, peut-être. Je serai enchanté de vous revoir, mademoiselle. La porte est verrouillée. Et mince ! Ça ne marche pas. C'est bien ce que je pensais. Madame Romanski ? Madame Elena Romanski ? Mais qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Excusez-moi de vous déranger, madame. Je m'appelle Kate Walker. Je viens de la part de Frank Malkovich. Malkovich ? Ce vieux brigand ! Vous êtes une de ses parentes ? Pas exactement. C'est surtout un grand ami de ma mère. C'est lui qui m'a dit que je vous trouverais ici, à Ralbad. Moi, je suis américaine, avocate. Et que me vaut l'honneur de votre visite ? Pour venir d'aussi loin, ce doit être bien important. En effet, je souhaiterais vous entretenir d'une affaire délicate et urgente. Je viens de quitter... Plus tard, mon petit, plus tard. Mon mal de tête se réveille. Ces masques sont inconfortables au possible. Il faut que je rentre à l'hôtel. Ayez l'obligeance d'appeler mon valet. Votre valet ? Bien sûr. Vous ici ? Comment avez-vous osé ?
Veuillez immédiatement quitter ces lieux. Je vous en prie. Il fallait absolument que je rencontre... Madame Romanski, je suis désolé. Cette femme s'est introduite ici en fraude, malgré mon extrême vigilance. Mais cela ne se reproduira plus. Je vais la chasser sur le champ. J'espère qu'elle ne vous a pas importuné. Laissez, mon cher Félix. Tout va bien, cette jeune femme est mon invitée. Votre invitée? Mais ce n'est pas possible. Cette malotrue ne vous connaissait pas il y a encore quelques heures. Taisez-vous, Félix, avant que vos propos ne deviennent insultants. Madame Romanski, laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine de... Il suffit maintenant. Je désire que Mademoiselle Walker soit traitée comme mon amie. Me suis-je bien fait comprendre, Monsieur Smetana? C'est parfaitement clair, Madame Romanski. Veuillez, je vous prie, accepter toutes mes excuses. C'est bien, Félix. Allez donc, maintenant. James, qu'attendez-vous? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu la cloche cette fois. Effectivement, la cloche a sonné. Il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas? Oui, il souffle énormément. Mais quel est le rapport? Madame ne veut pas comprendre. Elle dit qu'un automate n'a pas besoin de protection. Mais mon organisme ne supporte vraiment plus ces embruns salés. Je crains de sortir. Et si vous preniez mon masque contre le sel, vous vous sentiriez soulagé? Assurément. Alors, tu l'as rencontrée, ta fameuse Elena? Comment est-elle? Se souvient-elle de Frank? Bonjour, maman. Oui, je l'ai rencontrée. Elle vit bien à Haralbad, désormais. Remercie encore Frank de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est joli, Haralbad. Peut-être que Frank accepterait de m'y amener. Oh, tu sais, maman, cette station balnéaire n'est plus ce qu'elle était. Tu serais sûrement très déçue. Tu as peut-être raison. Alors, c'est bon, tu vas pouvoir rentrer maintenant, ta mission est terminée. Pas vraiment, maman. Je n'ai pas encore retrouvé l'héritier qui me permettrait de clore cette affaire. Elena Romanski est, comment dire, une sorte de détour. Écoute, ma petite fille, j'ai la nette impression que cette histoire te fait tourner en rond. Tu devrais rentrer et dire à ton patron que cet individu n'existe pas ou plus. Tu en as déjà bien assez fait. Veux-tu que je l'appelle pour toi? Maman, je t'en prie, surtout ne t'en mêle pas. Je veux retrouver Hans Vorarlberg autant pour mon client que pour moi. Tu es aussi têtu que ton père. Il ne faudra pas te plaindre après de ne pas avoir écouté ta mère. Je te le promets. C'est un grand honneur de faire votre connaissance, Madame Romanski. On m'a beaucoup parlé de vous. On parle donc encore de moi ? Bien sûr, on ne tarit pas d'éloges sur vous. Vous êtes une des plus grandes cantatrices de ce siècle. J'étais, mon petit. J'étais. Quel est donc le motif de votre visite? Comme je vous le disais, je suis avocate. Et pour tout vous avouer, je m'y connais assez peu en musique classique. Mais M. Borodine et M. Malkovitch m'ont vraiment donné envie de vous entendre. Vous arrivez quelques 10 ans trop tard, mon petit. Et comment va ce cher Franck? Je lui en veux encore un peu de nous avoir quittés pour faire carrière en Amérique. Sans vouloir vous vexer, j'ai toujours suspecté les cow-boys de ne rien entendre à la grande musique. Je crois qu'ils ne chantent plus beaucoup maintenant. Ils participent surtout à des galas de charité.
Il m'a chargé de vous transmettre toute son amitié. Quel amour! Vous entendez, James? On m'aime encore de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je n'en ai jamais douté, madame. Et l'autre, monsieur? Comment dites-vous? Borodine? Je le connais. Oui, vous avez chanté jadis à Komkolsgrad. Un récital exceptionnel, si j'en crois son directeur. Si vous saviez comme il en garde un souvenir ému, lui aussi vous adore encore. Je me souviens de cette usine. Un endroit bien lugubre. Elles le furent toutes, d'ailleurs. Madame Romanski, ce monsieur Borodine est l'un de vos fervents admirateurs. Son plus grand rêve serait que vous acceptiez de venir chanter là-bas pour lui. Chanter? Mais ma pauvre fille, je ne chante plus depuis longtemps. La voix, c'est comme le reste. Avec le temps, elle se fane. Vous exagérez. Vous avez encore une très belle voix, j'en jurerais volontiers. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais moi, je ne suis pas sénile. J'accepte la réalité. Non, décidément, chanter aujourd'hui ne m'est plus possible. Vous avez dû avoir une vie magnifique, exaltante. Oh, plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai chanté les plus grands airs du répertoire dans les plus prestigieuses salles du monde entier. J'ai été acclamée par les rois et les princes. Oh oui, mon enfant. Beaucoup étaient à mes pieds dès que j'entonnais les premières notes de mon récital. Et j'en ai brisé des verres et des cœurs. Je n'en doute pas. Et puis, un jour, la maladie vous reprend ce que la vie vous a donné. Ma voix s'est mise à me trahir de plus en plus. Je fus bientôt sujette à de fréquentes migraines et ma santé affaiblie. Enfin, on m'a envoyé ici pour bénéficier des bienfaits d'une cure thermale. Ce qui devrait être un bref repos s'est prolongé en un long, long séjour. Mais vous m'avez l'air en très bonne forme. Je vous remercie quand même. C'est étrange. J'ai comme l'impression que Hans Vorarlberg est venu un jour ici. Vous connaissez Hans Vorarlberg? Non, pas exactement. C'est la personne que je recherche pour régler mon affaire de succession. Mais à force de suivre sa trace, de fouiller son passé, il est devenu une sorte d'ami intime. Vous l'avez connu, vous, n'est-ce pas? Si j'ai connu Hans Vorarlberg, vous entendez, James? Si nous avons connu Hans, mon Hans, oh mon Dieu, que devient-il? Où est-il? Pour une question, c'est une surprenante question, madame. Oh, je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est précisément le but de ma mission, trouver Hans Vorarlberg. C'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Komkolsgrad. Sans ce train, il vous est donc impossible de le retrouver? Vous comprenez, cette locomotive est l'une de ses dernières inventions, ainsi qu'Oscar, l'automate conducteur. Et je suis persuadée que c'est eux qui me mèneront à lui. Vous entendez, James? Oh, il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon cœur. Il faudrait que je puisse rechanter. Oh, si j'étais à Paris, je commanderais à ce vieux Georges le cocktail miraculeux dont il a le secret. N'est-ce pas, James? Vous m'avez souvent raconté cette anecdote, madame. Sans cette fameuse boisson, votre tour de chant en France aurait été probablement annulé. Je ne comprends pas. Une histoire extraordinaire, mon petit. C'était en décembre. Il faisait terriblement froid et humide. Je devais interpréter Tatiana le soir même à l'opéra. Depuis le matin, j'étais aux prises avec une terrible extinction de voix. Aucun médicament n'arrivait à me soulager. Je ne sais plus comment Georges, le barman de l'hôtel Meurice, a eu vent de mon malheur. Il m'a porté un cocktail de son invention. Une étrange boisson, à la vérité. Mais ce fut le miracle. Ce breuvage me rendit la voix instantanément. C'est fantastique. Nous l'avons, la solution. Nous allons vous préparer ce cocktail. Ma pauvre enfant. C'est impossible. Georges ne m'a jamais révélé la composition de ce breuvage. Il adorait le statut irremplaçable que lui conférait son secret de fabrication. Ce Georges va me l'avouer à moi. Il ne connaît pas encore mon pouvoir de persuasion. Je vais vous laisser vous reposer. Je vous remercie de m'avoir si gentiment écouté. Ce fut un plaisir, mon petit. Vous êtes une jeune femme charmante
Et discuter avec vous m'a fait beaucoup de bien. Allô, l'hôtel Meurice ? La réception, j'écoute. Je voudrais parler à Monsieur Georges. Il est barman dans votre établissement. Je vous passe le bar. Ne quittez pas. Le bar, à votre service ? Bonjour. Je voudrais parler à Georges, s'il vous plaît. Georges ? Monsieur Georges ? Sans doute. Il était barman au Meurice dans les années 50. Bah, madame, ça fait belle lurette que Monsieur Georges nous a quittés. C'est à quel sujet ? On m'a dit que Monsieur Georges préparait un cocktail extraordinaire, connu de lui seul. J'ai absolument besoin d'en connaître la composition. C'est une question de vie ou de mort. Moi, je veux bien vous aider, madame. Mais ce vieux Georges, vous pensez, il en connaissait plein de cocktails. C'était un sacré barman, une sacrée réputation. Il nous a laissé toutes ses recettes avant de partir. Lequel cherchez-vous exactement ? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, dites-vous ? Ah, bah oui ! Il y a le Paris-Pékin, l'Enigma, le Baïkal, le Blue Helena, le Red Ann. Helena ! Oui, oui, c'est ça, le Blue Helena. Bon, je regarde. Alors, le Blue Helena, voyons. Une dose de vodka, une dose de curaçao bleu, une dose de miel d'acacia liquide, un doigt de jus de citron et de la glace. On brasse le tout et hop ! C'est parfait. Je vous remercie, monsieur. Votre aide m'a été infiniment précieuse. Ma voix. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est catastrophique! C'était trop beau pour être vrai. Le Blue Helena de Georges ne peut plus rien pour la voix d'une vieille femme malade. Mais elle est parfaite, votre voix. Ne vous découragez pas, c'est juste un manque de pratique. C'est bien normal après toutes ces années. Vous devez simplement reprendre confiance en vous. N'est-ce pas, James? Je dois en convenir, madame. Votre voix semble être parfaitement bien revenue. James, taisez-vous. Vous n'êtes qu'un vil flatteur. Le Blue Helena a vraiment un effet magique. Votre voix est sensationnelle. Je suis loin d'en être certaine. Si ma voix est bel et bien revenue, elle n'est pas prête. Elle manque encore de puissance. Je vous assure que c'est faux. Le directeur de Comcalls Grad va être ébloui. Mon petit, vous n'y connaissez rien.
Je crois me souvenir, madame, d'un temps où, pour vous rassurer sur la puissance de vos cordes vocales, vous aimiez faire éclater du cristal. C'était le bon temps. Mais je n'en suis sûrement plus capable. Ma voix. Znać ją widar was, ja w niedobry czas. Oh mon Dieu, j'y suis donc arrivée. J'ai retrouvé ma voix. Vous entendez, James? Ma voix. Ma voix. Votre voix est toujours aussi magnifique, madame. Cependant, vous ne devez pas oublier que les années ont passé. Votre santé n'est plus la même. Quel rabat-joie vous êtes, James. Je suis bien contente de vous laisser ici. Madame, il n'est pas question que je vous quitte. Ne soyez pas stupide, James. Que feriez-vous là-bas? Votre place est ici à préparer mon retour. Je n'insiste pas. Jouer les aventuriers n'a jamais été prévu dans mes fonctions. Madame a raison, comme toujours. Dois-je comprendre que vous acceptez enfin de partir avec moi à Kamkolzgrad? Et comment? En route, mon petit, en route! Je retourne au dirigeable préparer le départ. Vous pouvez m'y rejoindre dès que vous serez prête. James, dans ma chambre! Vous entendez? Il faut s'apprêter en vitesse. Dépêchez-vous. Voyons, mon public m'attend. Vous êtes vraiment sûr, madame? Taisez-vous, James, et roulez! Je viens m'excuser pour la fontaine. J'espère que je n'ai pas causé trop de dommages. Mais c'est la seule idée que j'ai eue pour arriver à rencontrer Madame Romanski. Bon, en fait, c'est pas bien grave. Qui la regarde encore? Alors comme ça, vous êtes devenue une grande amie de la Romanski. Je me demande bien ce que vous lui avez raconté pour lui plaire si vite. Je lui ai juste demandé d'accepter de venir avec moi pour chanter dans une usine. Incroyable. Vous êtes donc arrivée à la convaincre. Bien, bien. Malgré tout, je me demande si ce voyage est vraiment raisonnable. Sa santé est si fragile. Rassurez-vous, je ferai en sorte qu'elle ne soit soumise à aucune contrariété. De toute façon, son absence ne devrait pas être longue. J'espère bien. Vous m'enlevez ma plus fidèle cliente. Je vais me sentir bien seul. Mais non. Vous avez votre télévision. Et James. Au revoir, Monsieur Félix. Allô? C'est moi, Olivia. Salut ma belle. Alors quoi de neuf? C'était comment le dîner Goldberg? Arrosé. C'est tout? Ma chère, t'as perdu ta langue? Parle-moi plutôt de toi. Et ton enquête avance. Et comment est cette Romanski? Tu trouves pas le temps trop long? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais, Olivia, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions? Je t'ai dit que je m'étais acheté un haut en soie bleue. Olivia... Qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Ok, c'est affreux. J'ai vu une chose horrible. Depuis, je dors plus. Je mange plus. Je suis en permanence le ventre serré. Je me sens si mal. Olivia, je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe. C'est Dan. Quoi, Dan?
Il lui est arrivé quelque chose? Oh, Kate. Tu vas m'en vouloir toute ma vie. Et t'aurais raison, à ta place. Parle. Après le dîner Goldberg, Dan m'a accompagnée. On était très gais. On n'aurait pas dû boire autant. Il est monté chez moi boire un dernier verre et puis... Oh, Kate, t'as le droit de me détester. J'ai compris. C'est ma faute. J'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps. T'étais mon ami et c'était ton fiancé. Depuis ces derniers temps, on s'est rapprochés si vite. J'ai perdu la notion du bien et du mal. Kate, je m'en veux tellement. Je voudrais mourir. N'en fais pas trop quand même. Toi et Dan, tout ça me paraît si irréel. Je te laisse, Olivia. J'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée. Tu parles comme un automate. Kate, je t'en supplie. Je raccroche. Je crois qu'on a besoin de moi ici. Au secours, que m'arrive-t-il? Que me veut cet homme? Il est devenu complètement fou! Ne vous inquiétez pas, madame. Il y a forcément un moyen de vous faire sortir de là, et je le trouverai. Faites vite, mon enfant. J'ai peur que ce désaccès ne devienne véritablement dangereux. Courage, madame Romanski. Faites-moi confiance. Il était temps, jeune fille. Je commençais à désespérer. Croyez bien que j'ai fait au plus vite. Dépêchez-vous de filer maintenant, avant que ce maniaque s'en aperçoive. Je récupère les mains d'Oscar et je vous suis.
Est-ce que ça va, madame? Mon cœur est certes mis à rude épreuve, mais il tiendra bon. Filons sans plus tarder. Dieu, que se passe-t-il encore? Bien essayé, mademoiselle Walker. Mais décidément, vous n'êtes pas de force. Assez joué maintenant. Lâchez ses mains et que madame Romanski vienne me rejoindre immédiatement ou je ne réponds plus de votre vie. Vous ne me faites pas peur, vieux fou. Elena, prenez les mains et regagnez vite le train. Dites à Oscar d'être prêt à partir. Je vais bien trouver un moyen de sortir de cette fichue usine. Aucune chance! Vous ne réussirez jamais! Ah ah! C'est ce qu'on va voir. Je vous aurais prévenu, Kate Walker! Je vous aurais prévenu! Soyez prudente, mon enfant. Vous aussi, et ne vous inquiétez pas. Oscar, je suis là. Dépêchons-nous de partir maintenant. Heureux de vous revoir, Kate Walker. Rejoignez Madame Elena dans le wagon. Cette dame est charmante. Elle m'a gentiment aidé à remettre mes mains. En revanche, je me dois de vous avertir que le règlement ne prévoit pas un passager supplémentaire. J'espère également que vous avez bien votre billet pour Haralbad. Oscar ! Compris, Kate Walker. Je démarre. Allô? Kate, c'est moi, Dan. Tu vas bien? Maintenant, ça va. Si je te disais qu'il y a peu de temps, j'étais aux prises avec un fou mélomane qui voulait kidnapper une vieille cantatrice oubliée. Mais j'ai réussi à faire échouer son plan et à m'enfuir par une mine abandonnée. Un truc de dingue, quoi. Ah, tu peux être fière de moi. Je ne te reconnais pas, Kate. Je comprends rien de ce que tu me racontes. C'est pas grave, Dan. Et toi, ça va? Oui, oui, bien. Je suis retourné dîner chez les Goldberg. J'ai enfin réussi à battre Bob au squash. La femme de ménage a cassé le vase de l'entrée. À part ça, rien de bien neuf. Je vois. Tout va bien, alors? Oui, oui, tout va bien. Je ne te manque pas un peu? Si, bien sûr. J'ai eu Olivia au téléphone. Elle ne va pas très bien. Tu ne dis rien? Oh, Kate, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est arrivé si vite. J'ai l'impression de plus rien contrôler et je me trouve si faible, si lâche. J'ose même pas imaginer que tu puisses me pardonner. Quelle salaud je suis, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Dan. Peut-être que je suis coupable, moi aussi. D'une certaine façon, je t'ai poussé dans les bras d'Olivia. J'ai conscience que ce voyage m'entraîne loin de New York, loin de la Kate que tu connais. Et tu vois, ce qui m'étonne le plus, c'est que tout cela me fait presque plaisir. Qu'est-ce qui nous arrive, Kate? On réalise peut-être qu'on ne s'aimait pas vraiment, Dan. On en reparle à ton retour, si tu veux. Je ne sais pas, Dan.
qui se passe encore? Des barreaux métalliques ont surgi entre les jambes de l'immense statue. La voie est totalement bloquée. C'est insensé. Décidément, ce fou furieux n'abandonne pas facilement. Je vais aller voir ce que je peux faire. Oscar, on déguerpit d'ici, et vite! Cher petit frère, quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles après le long silence de toutes ces années de guerre. Te voilà donc arrivé chez les Soviétiques. On entend des choses inquiétantes ici à leur sujet. L'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeins ne me dit rien qui vaille, même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les ouvriers. Je suis fière que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valadilen, nous tentons, tant bien que mal, de panser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. Ça va, Oscar? Toujours en un seul morceau? La plaisanterie est un concept qui m'est parfaitement étranger, Kate Walker. Vous devriez le savoir. Allons, Oscar, arrêtez de ronchonner. On s'est sortis de cette cité maudite sain et sauf, non? Et même avec un certain éclat. Avec éclat est le terme exact. Ah, Oscar, je désespère de retrouver un jour Hans Vorarlberg. Vous avez fait preuve de cran et d'acharnement, Kate Walker. Ne vous découragez pas. Vous êtes peut-être plus près de votre but que vous ne le pensez. Oui. Peut-être. Que faites-vous donc sur le quai? Ça ne vous ressemble pas. Je voulais prendre un peu l'air et décrasser mes articulations. Mais ce vent salé est épouvantable. Je crois qu'il serait plus prudent que je remonte dans le train. Depuis ma précédente visite, le temps a changé. Le vent est tombé et il a commencé à neiger un peu. La première fois, je n'ai pas eu l'honneur de vous accompagner, Kate Walker. Vous m'avez, je vous le rappelle, abandonné à mon triste sort dans cette horrible usine. Oscar, vous changez. Imperceptiblement, vous changez. Je ne suis pas programmé pour ça, Kate Walker. Oscar, on peut démarrer. Voyons, Kate Walker, vous devez avant remonter le ressort de la locomotive. Évidemment. Où avais-je la tête? J'y vais. À tout de suite.
Oscar, je crois que tout est correct. Nous pouvons partir maintenant. Bien. Installez-vous, je lance le moteur et je viens vous rejoindre pour poinçonner votre billet. Vous êtes incorrigible, Oscar. Mademoiselle Walker! Mademoiselle Walker, attendez! Ne partez pas! Monsieur Félix, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Madame Romanski? Non, non. Notre diva se porte à merveille. Mais il y a un colis pour vous à la réception. Je me suis dit que c'était peut-être important que vous l'ayez avant votre départ. Un colis pour moi? C'est impossible. Pourtant, il y a bien marqué dessus « à l'attention de Mademoiselle Walker ». Vous ne pouviez pas m'en parler plus tôt? C'est qu'il vient tout juste d'arriver. Ah bon? Et qui l'a déposé? Je ne sais pas. Je regardais le match de... Oh, enfin, je n'ai pas eu le temps de voir. Vous venez le chercher? Il vous attend au comptoir de la réception. Bien. Monsieur Félix? Que puis-je pour vous, madame? Je viens récupérer mon colis. Il est à votre disposition, sur le comptoir, mademoiselle. Merci bien. Allô? Qu'est-ce que vous foutez, Kate? Monsieur Marson, essayez de comprendre. Je comprends que notre principal client menace de nous retirer le dossier si la vente n'aboutit pas dans les 24 heures. Que votre incompétence nous coûte cher et que j'ai fait une grave erreur en vous confiant cette affaire. Voilà ce que je comprends. Les apparences sont contre moi, mais... Il n'y a pas de mais. Tant de complications pour retrouver un vieillard sénile. Pas si sénile. Toujours très créatif. Arrêtez de marmonner de fausses excuses. Ce n'est pas ainsi. Je dois vous laisser, monsieur Marson. Je crois que je touche au but. Allô, ici la réception. Félix Smetana à votre service. Oui. Oui, justement, elle est en face de moi. Sans problème, je vous en prie. Mademoiselle Walker, Madame Romanski vous fait savoir qu'elle désire que vous la rejoigniez au bar de l'hôtel le plus rapidement possible. Bon, j'y vais. Madame Romanski, vous désiriez me voir. Vous voilà, mon petit. Je voulais vous parler avant votre départ. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Je vous suis en fait assez reconnaissante de notre mésaventure à Komkolskrad. Vous avez réussi à me distraire un moment de ces rivages morts où, depuis tant d'années, je promène mon ennui. Tant mieux. Le temps passe si vite. On est au firmament de sa gloire et tout ça semble devoir durer éternellement. Et puis, comme ça, un beau jour, c'est fini. Madame Romanski, ne broyez pas ainsi du noir, ça ne vous ressemble pas. Et si, à ce moment, personne n'est là pour vous tendre la main, alors on s'enfonce dans un très long hiver. Peut-être devriez-vous aller vous reposer. Toutes ces récentes émotions vous ont un peu secoué. Quand je suis arrivée ici, c'est Hans qui m'a redonné le goût de vivre. Pourtant, il était malade lui aussi. Je me souviens qu'il toussait beaucoup. Il avait dû respirer trop longtemps la fumée des usines. Il est reparti d'ici dès que sa santé a été rétablie. Moi, je suis restée. Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg était joyeux et insouciant. Il n'était pas très normal, comme on dit. Il est resté un enfant.
un enfant qui s'inventait des jouets fabuleux. Je suppose que je l'ai aimé. Et Dieu seul sait où il est maintenant. L'avion qui ravitaille l'hôtel est arrivé. Vous devriez aller faire un tour sur la jetée. Je ne comprends pas. Moi, je suis une vieille dame fatiguée. Mais j'ai été très heureuse de vous avoir rencontrée, Kate Walker. Au revoir, James. Prenez bien soin de Madame Romanski. C'est là mon unique devoir, mademoiselle. Que la chance vous accompagne. Cette neige est un bon présage. Ah bon? La neige chasse le vent et bloque au sol le sable et le sel. L'air devient pur et apaisant. Un temps idéal pour se promener. Eh bien, tant mieux. Merci pour tout, James. Bonjour, monsieur. Monsieur Vorarlberg? Hans Vorarlberg? Vous avez amené le train. Alors c'est bien. Ah, monsieur Vorarlberg, si vous saviez comme je suis contente de vous trouver enfin. Je suis Kate... Où est Anna? Votre sœur est décédée, monsieur Vorarlberg. Je suis désolée. Vraiment. Ah? Sinon, aujourd'hui, ce serait Anna. Hein? Pas vous, hein? Oui, sans doute, monsieur Vorarlberg. Moi, je m'appelle Kate Walker. Je... Kate Walker? Je vais partir avec le train. Loin, très loin. Où ça? Là-bas. À Sibéria. Sibéria. Excusez-moi, monsieur Vorarlberg, je suis mandatée pour mener à bien la vente de votre usine à Valadilène. C'est mon travail, vous comprenez? Anna disait que les automates, c'est fini maintenant. Monsieur Vorarlberg, cette usine est votre propriété à présent, et j'ai besoin de votre accord pour conclure la vente. Oui. Après, je partirai avec le train. Voici le contrat de vente. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Votre sœur en avait déjà approuvé la teneur. En fait, aujourd'hui, il ne reste plus qu'à obtenir votre signature. Vous signez comme ça? Sans lire? C'est... Je ne lis pas. Je ne sais pas, Kate Walker. Ah. Eh bien, dans ce cas, je vais vous en faire la lecture. Non, comme ça, c'est bien. Je vais partir avec le train, Kate Walker. C'est comme vous voudrez, monsieur Vorarlberg. Je vous souhaite un bon voyage. Oui? Écoutez, Walker, j'ai pris la décision d'envoyer quelqu'un pour vous seconder. Ce n'est plus la peine, monsieur Marson. Qu'est-ce que ça signifie? Hans Vorarlberg vient de signer les papiers de vente. Tout est en règle. Dois-je comprendre que... Que la fabrique Vorarlberg est dorénavant la propriété exclusive de Universal Toys Company. Mais c'est parfait! Voilà de l'excellent travail mené d'une main de maître. Je savais que je pouvais compter sur vous, Kate. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur. Rentrez sans plus tarder maintenant. Je veux ces papiers demain sur mon bureau. Ma secrétaire va organiser immédiatement un rendez-vous avec Universal Toys. Vous aurez sûrement envie de leur remettre en main propre. J'y pense. Je n'ai personne pour la paire des aéroports Schwann. Un gros procès en perspective est une opportunité pour vous. Je vous la confie. C'est ma façon à moi de vous remercier. Vous me faites trop d'honneur. Vous avez une grande carrière d'avocate devant vous, Kate. À demain, encore bravo, et ne perdez pas ces papiers. Ce serait trop bête, hein? Bien sûr. Trop bête. Kate Walker. Oui, monsieur Vorarlberg. Vous partez avec le train aussi, Kate Walker? Oh non. Non, ce n'est pas prévu. Je vous remercie de votre proposition. Mais pour moi, cette aventure est terminée, monsieur Vorarlberg. Oui. C'est bête. Vous n'aimez pas ça, l'aventure? Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, ce n'est pas aussi simple. Oui, Kate Walker. Je dois rentrer à New York. On m'attend là-bas, vous comprenez? Je comprends bien. L'avion, il va à New York, peut-être? Peut-être.
Je crois que je vais aller me renseigner. Oui, c'est plus raisonnable. À plus tard, Kate Walker. Oui. Au revoir, Monsieur Vorarlberg.